Bureau Chambre députée a honoré plusieurs femmes avec sélection féminine U20 dans l'occasion de Journée internationale Femme. Chambre députée a promis 1,5 million de gouttes pour sélection avec un smartphone pour chaque joueuse. Dans l'idée pour renforcer la production d'huile dans la vallée de la Tibonite, coordonnateur Caravane Changement, ancien ministre Thomas Jacques, qui était avec lui, directeur général du ministère de l'Agriculture et des Ressources Naturelles, Branly Eugène, lancé mardi 6 mars la combite dans la localité Kova, deuxième section communale Verrette. Programme ça rentré dans le cadre Caravane Changement. Non page sport Coupe du Monde U20, tirage au sort fait matin, Haïti dans poule Allemagne, Chine et Nigeria. Bonsoir tout le monde, jeudi à c'est jeudi 8 mars 2018. Bienvenue dans l'édition Nouvelle Sans sur Télévision Nationale d'Haïti. Nous avons démarré le journal là avec information qui concernait le coordonnateur Caravane Changement, ancien ministre Thomas Jacques, accompagné directeur général ministère Agriculture et Ressources Naturelles, Branly Eugène, qui lançait mardi 6 mars là et on combite dans la localité Kova, deuxième section communale Verrette. Programme ça qui rentre dans le cadre de Caravane Changement visait renforcer production d'iri dans la vallée la Tibonite. Dans l'occasion, agriculteurs et planteurs dans la vallée a exprimé contentement pour si pour ça. Nous invitons à suivre le reportage à Richardson Jordan. Il y a plusieurs agriculteurs, planteurs, pelles, bourrettes, piquois qui regroupent en dans 12 blocs de production et puis qui associent une coopérative qui participent dans le combat de ça. À travers le combat de ça, à part gros canal yo responsable compte nettoyer planter ak agriculteur a bien pour faire canal secondaire ak tertiaire yo ça qui va aider augmenter production d'iri dans vallée a agriculteur yo joine appui l'état et appui ça permettre que un yo utiliser les équipements deux en pile moun met ensemble yo travail pour permettre que capable faire production donc bloc de production ça son bloc de production de 500 hectares de terre et qui pourra permettre que eh bien à partir de mois de mars avril là et mais toute zone ça pourra le planter en durie et c'est organiser c'est ça qu'avant APC fait organiser planteur en coopérative et puis l'état porter appui parle pour capable augmenter production pour augmenter production faut maîtriser les moyens de production les facteurs de production nous au niveau en bloc il y a un bar qui est important comme être fondamental surtout dans la question du riz, c'est la gestion de l'eau. Ou pas qu'à produire du riz sans parler de l'eau. Donc, mais de l'eau à tout, les cas diminuer et même annuler rendement. Ça veut dire, facteur de l'eau est important, mais il faut maîtriser. L'eau maîtriser, faut qu'on a l'eau, irrigation en condition de fonctionnement, faire de retour en condition de fonctionnement. Aménagement physique et espace bloc production, construction route agricole et puis réhabilitation infrastructure irrigation et drainage pour faciliter transport produits agricoles, c'est quelque part mi travail qu'a bien pour faire dans quatre combits là. Si vraiment ou pas nous pas gagne assez d'eau qui rentrer nous pas gérer situation ça ou capable gagne semence engrais mais production pas très faible jodi a nous réunir c'est notre optique ça parce que même leur nous même nous capable faire grand travail pour nous capable nettoyer canal primaire yo mais là nous gagne secondaire avec tertiaire si nous pas nettoyer yo nous même n'a toujours gagne limitation pour de l'eau arriver joindre cultivateur c'est un bail que m'ta pensé évaluer comment ça t'est qu'on fait dans le passé et finalement on dit que même organisation tant coup pam qu'on réunit tout moun yo fait un combat et puis moun yo nettoyer et puis yo fait manger bah ça pour tout moun yo vini pour yo même yo prend responsabilité pour que yo aider yo dans cano secondaire avec tertiaire et mais c'est initiative ça qui te prend matin dans combat que n'a fait là pour que nous te vini avec yon bloc de production parce que nous gain au nombre de 12 mais ça il montrer nous vraiment que si nous réunis moun yo des coopératives pour nous capable montrer esprit de travail ensemble et puis l'état porter accompagnement n'a pas arrivé abouti à résultat que nous anticipons pour nous capable non seulement dans les premières années mais vraiment dans 4 ans qui étaient nous là président coopérative bloc 6 qui dans localité Kova deuxième section communale Verrette Rosemont Pinard expliquer importance travail ça pour le gagner pour planter à agriculteur zone là avancer c'est premier journée ça puis n'a continuer marcher puis devant objectif pour comme si m'ta dou productivité paysan ka augmenter par exemple si drain en coulé te a séché après toute vie d'eau donc du n'a sorti en forme 500 hectares
c'est quantité de terre responsable visé dans quatre batailles à faire pour augmenter production d'iri dans Valia avant fin mandat président République là Jovenel Moïse. Même combi de ça pour aller réaliser dans notre département en dans pays là selon responsable yo. Merci Jourdan ak André. Jean t'ai annoncé l'antite bureau chambre député a ensemble avec commission femme ak équité Jean organisé mercredi 7 mars 2018 là yon cérémonie pour honorer plusieurs femmes dans l'occasion 8 mars qui marquait 41e anniversaire journée internationale droit mesdames yo. Dans l'occasion an bureau a commission an honoré sélection féminin U20 an, chambre député a promettre 1.5 million goud pour sélection an ak yon smartphone pour chaque joueuse yo. Président chambre député Gary Bodo encourager femme yo continuer travail pour joindre place yo. Yon extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilwich. Chambre député a Anessa te vle organiser journée réflexion ça dans journée internationale droit femme nan pour nous poser problématique droit moun nan en général. Donc il est important pour nous tout pour te honorer des moun nous penser qui c'est des travailleurs de la presse qui toujours accompagner nous dans parlement peut-être. Bon, liste qui était exhaustive, mais la commission a choisi deux personnes pour les honorer. Donc, nous félicitons pour le marque de distinction que vous jouez au niveau du Parlement. Mais nous-mêmes, tout, bon côté par nous, au niveau du Parlement, nous voulons pour nous travailler avec la fédération pour nous garder différentes catégories. Ce n'est pas seulement le timon rentrer avec une qualification ou bien un athlète rentrer avec une prime. Ou bien yon moun Miss Dauphine ou bien première Dauphine Miss Universe, je voulais parler de Mademoiselle Pélissier pour que tout pays a fier. Je pense que c'est depuis les moun yon absorti là pour que nous accompagnions. Et puis tout faut gagner des lois qui votent sous recommandation commission sport. Donc son gros chantier, le Parlement doit être au travail et la Chambre des députés sera au travail. Donc le Parlement à travers ses branches, ces deux branches, bien sûr, que ce soit au Sénat ou au niveau de la Chambre des députés, nous avons une contribution par nous. Mais ça, c'est une contribution symbolique. Il y a une autre contribution que nous avons, tant que Chita avec le Premier ministre, le Président de la République, là, parce que c'est eux-mêmes pratiquement qui ont implémenté les politiques publiques pour qu'ils accompagnent le sport en général. Donc, c'est vrai, je disais, on a parlé de Mme Sao qui qualifiait, mais question problème sport en général, c'est-à-dire football féminin. Il faut gagner plus d'accompagnement, il faut gagner terrain pour les petits monde jouer. Football garçon, en tout cas, d'où la nécessité d'une politique publique sportive dans différents budgets qui ont voté autour. Donc, ce n'est pas seulement nous là, on a recevoir, etc. Mais au niveau budget, il y a pour soumettre là, nous avons un budget rectificatif sous peu. Et dans le budget 18-19 là, tout, pour nous garder qui accompagnement nous avons sport pour que nous vraiment gagnions sport qui marche en Haïti. Toujours sous même dossier, hein, président commission femme avec droit femme avec équité Jean dans chambre député à Gladys Saint-Jean lundi, exprimer satisfaction li pour déroulement cérémonie. Hein. Député a encouragé mesdames yo continuer bataille pour quota femme nan respecté comme ça doit. Yon extrait dans micro fait dans confident avec Moïse Wilwich. Commission conditions féminines et équité de genre dans parlement que moi gain honneur pour moi présider et te souhaité et de fait organiser commémoration journée 1 et avec participation non seulement bureau chambre députée mais aussi et sélection U20 que nous avons décidé dans chambre députée pour que nous inviter vini et des plaques d'honneur à eux parce que pas oublier que gentil mesdames ça c'est le monde qui prend Haïti qui réinscrit dans l'histoire football là. Donc c'est moi façon pas nous ouais pour nous honorer yo et gagnons ensemble femmes aussi qui t'ai participé dans limite pa yo pour permettre que jodi en là Nations Unies t'es capable accepter décréter 8 mars journée et internationale des femmes donc pour que nous t'ai honoré. Donc nous connaît que Goumen a fait pour respect quota, Goumen a fait pour égalité entre femmes et garçons, l'arrivée établie dans le pays d'Haïti. C'est pour un Goumen qui facile, c'est pour un Goumen que nous avons joué un résultat aujourd'hui demain. Mais nous espérons et nous avons Goumen même et au niveau commission conditions féminines pour que nous arrivions, même si ce n'est pas moi-même qui arrive à joindre
égalité parfaite ça, mais pour génération qui va venir, pour petite nous yo capable vivre nous moment côté que Haïti ni femme ni garçon yo sous même pied d'égalité. Et si nous voulons sortir Haïti dans situation difficile que li a, moi crois pas gagne l'autre choix arrêter à c'est aller vers et le respect des droits des femmes, parce que chaque fois dans une société que droit femme garantie, eh ben droit garçon garantie tout, eh ben le ça ou vient une société qui est à marcher, une société qui a bougé, une société qui peut aller vers le développement et du millénaire. D'un coup, c'est ça nous souhaiter et tout le temps. Mélissa Dacius, une nan joye sélection féminin moins passé 20 ans, qui te prend pas la parole dans non sélection, souhaite joindre accompagnement parlement pour sélection capable arriver plus loin. Suivez un extrait dans déclaration. Nous vraiment content pour nous devant Chambre Basta et nous compter sur pouvoir nous pour nous faire un pile loi pour faire bagaille marcher plus bien pour nous. Pour permettre nous pas faire plus figurant seulement dans tout le monde qui a fait la France là. Nous qui un pile volonté. Et ça va suffisamment. On ne peut pas que je parle de détails sur besoin de nous. Parole valée, parole comprenne. Et moi, je pense que c'est pour ça que visite ça pas seulement pour tes belles bravo, mais la paix des empiles athlètes, empiles équipe Haïti pour tes drapeaux pays au bureau chaque jour. Nous vraiment fiers et nous vraiment contents pour nous avec nous jeudi. Et nous promettons que nous continuons à faire sacrifice dans l'entraînement chaque jour. Nous croyons dans l'institution pays, c'est pour ça que nous avons confiance nous. Non mais nous, tant que grand frère nous, grand soeur nous, papa nous et maman nous, pour nous capables de prendre cause nous et mettre ensemble tout le monde qui aime sport dans le pays hein, pour capable aider nous à aller champion dans le mondial. Les techniques de leadership efficace, c'est sous thème ça, plateforme paysanne en tête collée avec l'initiative communautaire femmes pour développement ICOFET, à Claude Patneyo, organisé un séminaire formation mercredi 7 mars 2018 là. Activité ça, réalisée en prélude avec journée internationale femmes 8 mars là. Yon compte rendu à Rachel Saint-Fort. C'est 120 femmes qui participaient dans le séminaire formation ça. Plateforme paysan à Claude Patnelio organisée sous leadership féminin jeudi 7 mars là. Activité ça a été occasion pour organisateur boire l'idée à participants yo sous ça qui ont leader différents caractéristiques qui ont leader une façon pour développer sens leadership là ca mesdames yo. Formation c'est base parce que ou pas ca veut pousser femme là pour y aller devant de la scène si que le pas gagne un bagage intellectuel si que le pas connaît qui ça va le faire et nous même dans plateforme paysan nous croyons pile dans ça créer les formations donc c'est d'abord former yo et puis ba yo en estime de soi dit yo que yo même tout yo ca vienne des femmes leaders yo gagne place dans société hein et puis ça yo même avec ça que vous allez inculquer dans tête yo là il a fait chemin eux même c'était yo qui fait qu'on informe bien réagir dans activité ça souhaiter participants yo partager ça yo apprendre dans séminaire à Claude Femme dans environnement yo une manière pour aider au rôle pa yo dans développement communauté yo nous pas vraiment faire une conférence mais nous fait échange avec eux, on débat. Nous poser aux questions, ils répondent. Tant que Gerwin qui te dit, nous pour un leader, faut qu'on capable, gain pouvoir de décision, faut qu'on gain capacité pour venir un leader. Et je pense que après conférence, après débat, ça que nous fait à mesdames yo atelier yo, je pense que yo même yo pour faire même impact ça que yo sont recevant dans la société, côté à travail, dans politique. Et je pense tout que nous faisons parce que nous estimons que normalement quota va respecter même et même gens en garçon car un leader ou même on fait tout pas manquer rien même pour un leader même gens garçon yo mesdames yo gen place yo dans société responsable plateforme paysan ak initiative communauté femme pour développement yo ICOFED invité mesdames yo engager yo prend initiative pour permettre pays à avancer pendant yo profiter occasion pour rappeler mesdames yo pas tolérer violence sous aucune forme ni prétexte. Merci Rachel et Robert. Union Femme à mobilité réduite en Haïti, UFMOR, en tête collée avec Scout d'Haïti, organisé mercredi 7 mars là, une journée réflexion sur condition la vie femme dans la société. Dans l'occasion, plusieurs femmes te prennent la parole parmi eux. Animatrice troupe Scout d'Haïti, Lydia Exantus, et coordonnatrice Union Femme dans Soinette Désir. Il extrait dans le micro Colo Eliezer. Mouvement Scout là dans Valais. Il proposait jeunes
pour cultiver gagner solidarité qui donc une aide l'autre une soutenir l'autre une bail l'autre la main comportement qui gagner à cultiver valeur ça yo permettre jeune yo dans ce là pour mener idéal justice là dans programme jeune yo à suivre dans quatre éducation y a bail tête yo dans ce là ça nous relais système avancement système de progression. Il y a une rubrique qui relaie combat violence qu'a fait sous monde. Est-ce que haïtien prend pour solidariser avec le mouvement femmes handicapées? Et puis UF Morage dans occasion ça côté gain en pile journée réflexion qu'a fait sous participation femmes dans société a continuer faire appel à conscience chaque grain citoyen à citoyenne pour continuer porter coller pour combattre exclusion femmes handicapées actifi absibi dans pays d'Haïti. L'autre information dans le journal sa direction départementale l'Ouest DDO, police nationale d'Haïti, arrêté 14 moun dans Pétionville pour agression physique sur un diplomate américain et un commissaire principal police. Pendant une conférence pour la presse, DDO présenté mercredi 7 mars là, dans tête collée avec secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Saint-Saul Saint-Cyr, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Opnam Clamé Damius, autorité au fait qu'on est. Individu sa yo te utilise manchette à caoutchouc pour faire agression yo. Yon lot bo, la police a arrêté yon moun pour vol exam ak plusieurs lot pour voler kap kase kay ak business. Commissaire gouvernement Port-au-Prince lan Opnam Clamé Damius nan micro TNH. Nan journée qui était 3 mars 2018 là et m'pa pral di que toute la presse était au courant mais c'est sur au plus haut niveau de l'état. Et même certains monde dans la population étaient au courant qu'il était gagné un diplomate américain qui t'a circulé dans zone Colette Pétionville qui était agressé par un ensemble d'individus. Donc sur le champ une fois qu'il était informé, contact est fait moi-même DDO sécurité publique commissariat Pétionville que nous devons remercier pour l'effort qu'il a fait. Et bien nous arrivé à appréhender 14 personnes et c'est des nègres qui t'ai gagné des armes blanches dans main yo qui t'ai gagné des caoutchouc dans main yo. Maintenant qui ça yo dit il a fait des revendications pour route. Maintenant ça yo besoin qu'on ait au capable gain une revendication qui juste mais forme qu'on fait là vienne transformer dans ça capable reler un acte de violence et qu'en reler violence criminelle. Donc c'est une façon tout nous-mêmes pour nous dire rapidement quel que soit diplomate qui présent sur territoire même j'ai nous gain responsabilité pour nous sécuriser protéger citoyens yo et bien étrangers qui dans pays à tout faut que gagner protection et une fois que ou attaquer des citoyens paisibles ou attaquer des diplomates qui dans pays à ou gagner pour payer parce qu'on va le juger devant la justice. Nous avons un commissaire, par exemple, de police, commissaire principal de police, qui c'est commissaire Chatner. Un commissaire principal qui a privé côté que monsieur a fait mouvement, monsieur pas peu malgré l'identifier, il arrive à agresser. Or, l'arrivé dans le niveau d'agresser des autorités, donc laisse ça, ou presque arrivé dans la situation côté que quand même qualifié de acte terroriste parce qu'on pas le droit attaquer. Des autorités non pays qui placé pour bon ou même sécurité. Nous gagnons tout. Yon arrestation que nous fait qui paraît tout vraiment de fait étonnant. Yon individu, je relé Estilin Edi, c'est un cap opéré qui fait vol à main armée dans Port-au-Prince et monsieur qui ça le fait mes amis nous joignent sous lui. Comment monsieur opéré? Monsieur habite juste Williamson. Il vient opérer Port-au-Prince pendant la journée et puis le soir, monsieur a dormi Williamson. Nous gagnons dans menou là un ensemble de monde que nous arrêté, c'est monsieur Sayo, nous prenons pour vol de nuit et vol avec effraction. Son ensemble de nèg qui a misé yo surtout dans zone Thomasin Keskov, c'est aller identifier la caïmoun, identifier pendant la journée et puis les soirs venir, maîtriser gardien et puis entrer par effraction, craser porte et puis pour voler à l'intérieur des caïmoun.
Secrétaire d'État, sécurité publique là, Léon Ronsard Saint-Cyr, renouvelé engagement li pour bataille contre insécurité dans le pays à l'étape menée. Léon Ronsard Saint-Cyr, dans ce sens ça, encourager population à accompagner police nationale d'Haïti dans le travail la fait pour assurer sécurité tout le monde. Nous invitons à suivre un extrait. C'est tout l'État qui a engagé la bataille pour la sécurité. Il est important pour nous souligner que le rôle nous, c'est communiquer, faire pour la population comprendre ce qu'a fait, ce qu'a fait pour lui, et nous devons demander tous les amis la presse tout pour faire passer ce message là, pour la population continuer à accompagner la police pour faire ça la faire, parce que comme nous m'étais toujours dit, la police a plusieurs façons de travailler, a présence et patrouille policière. Mais tout une équipe qui travaille dans le renseignement et l'investigation. Et ça fait, nous pouvons montrer nous des gens qui sont là et qui sont arrêtés. Parce que la police a tout travail qu'elle a fait. Il est important pour nous dire que nous ne pouvons jamais camper. Chaque période vient à grand plan. Et nous devons annoncer là tout que d'ici peu, nous pouvons relancer une question de trafic motoir. Donc, que le chauffeur taxi est dans le conseil de commencer. Continuer à rester dans mes rios, cette fois-ci, on date avec un prix qui est très très bas, de ça, nous ne pouvons pas faire back encore. Nous ne pouvons pas presser pour un problème, nous finir avec un compte que nous avons fait, nous allons tourner parce que chaque époque, nous avons un programme et nous avons avancé. Donc, c'est l'État au plus haut niveau qui m'a instruction, où nous, c'est la population, la sécurité. Et c'est là que nous-mêmes, nous ne devons pas mourir. Direction départementale l'Ouest DDO Police Nationale d'Haïti organisée mercredi 7 mars là dernière réunion mensuelle commandement li avec participation plusieurs commissaires chef service et représentant Minijus. Dans occasion DDO ak Sipo Minijus prend décision mette sous pied un plan formation pour renforcer capacité accueil dans commissariat yo pendant on pral renforcer logistique yo dans sens ça d'après directeur départemental l'Ouest PNH là Bianson Soljo il était dans micro TNH. De concert avec homologue nous, de la Minijust, d'un plan de formation qui va exécuter très bientôt, de formation que nous allons faire pour capable renforcer la capacité d'accueil dans le commissariat et puis l'amélioration de la cadre logistique pour que nous puissions recevoir les populations qui nous-mêmes approchent là, sont approches comme nous utilisons dans le secteur privé. Nous connaissons la population c'est comme client, c'est l'île là pour nous servir. Donc pour nous capables vraiment d'avoir un service d'accueil digne de ce nom, pour nous capables d'accueillir les populations très bien. Donc c'est dans ensemble de responsabilités, de mesures que nous prenons. Donc c'était l'occasion pour nous être capables de faire le tour et pour nous être capables de comprendre avancer, quelles difficultés qui gagnent, et pour nous être capables de porter amélioration. Et réunion ça tout le visé après réunion de commandement que directeur général là a été fait avec tout le directeur départemental pour nous être capables vraiment transmettre toute décision que le commandement prend. Et une des choses qui était important pour nous, c'est le déploiement des nouveaux policiers de la 21e promotion qui dans l'Ouest et nous, Téwe Aveyo, pour capable de mettre des policiers référents et pour capable encadrer des encadreurs, encadrer jeunes policiers qui sortent et nous passer d'instructions pour que les policiers soient capables d'une possibilité pour, avant de spécialiser dans des services spécifiquement qui affectés, pour permettre aux capables de faire rodage là dans tout service, dans l'accueil, dans le rapport et plainte, dans l'investigation, dans service de communication et puis dans la patrouille pour que soient capables vraiment et comprendre le métier et maîtriser le. Et deuxièmement, tout nous garder sous aspect, nous avons une opération qui est lancée depuis quelques temps, c'est la caravane de prévention et de sécurité qui commence à donner des résultats, et côté ensemble de unités spécialisées qui sont sous commandement en direction départementale, là, Udmo Boyd, et à chaque fois, aller en renfort dans la commune, côté qui a un problème, côté identifié en fonction de statistiques yo, pour nous capables vraiment augmenter la visibilité de la police, là, augmenter le taux de coopération de la voie publique pour permettre que nous capables vraiment servir la population. Hein.
L'autre nouvelle, directeur général télévision nationale d'Haïti à TNH, Gamal Jules Augustin, chita parlé mercredi 7 mars là avec différents opérateurs qui vendent service TNH par câble. Réunion sans permettre Gamal Jules Augustin à opérateur Sayo discuter sous qualité image qu'a projeté sous écran téléspectateurs qui manquait qualité. Une rencontre qui déroulait dans une ambiance amicale côté opérateur promet pour porter correction d'après directeur TNH là. Représentant Konatel, la directeur technique télévision nationale, là, Anthony Auguste, a participé dans la rencontre. Il y a un extrait dans le micro, Isaïe Aurelius. Nous avons une réunion avec vous pour nous parler de qualité d'image de télévision nationale que vous-même avez transportée. Assez souvent, nous avons regardé nos TV, ou avec l'image, un petit problème, ou bien son marche avec l'image, nous pensons que c'est TNH pour nous. Le plus souvent, ce n'est pas TNH pour nous. Le plus souvent, c'est le monde qui a transporté l'image. Peut-être qu'ils ont une mauvaise qualité de production. Okay? Qui fait que l'image a une grande différence entre l'image avec son. Et je dis à nous-mêmes qu'on a pris le souci. Je dis à nous réunir avec tout opérateur ça, pour nous discuter de qualité image télévision nationale, qualité image qui a tombé dans la caillou. Et c'est une belle réunion de travail pour que nous venons pile solution. Dans les jours à venir, nous allons parler de l'amélioration qui fait en Télé Haïti, qui est national lié en Télé Haïti. Dans les jours à venir, nous allons regarder la qualité télévision nationale pour changer dans nous TV. Qualité à tout pour changer dans le canal. Alors, je dis à tout opérateur ça, merci. Merci le fait que vous avez pris matinée ça, vous avez fait avec nous pour nous analyser le problème là. Vous avez un Konatel qui est accompagné nous. Parce que Konatel c'est lui-même qui gère les bases à l'OPIA, qui gère le système de télévision et le système de télécommunication. Et bien, Konatel est là lui-même pour te mettre les principes, pour te respecter ça comme ça. Encore une fois, c'est la loi haïtienne qui dit que Télé Haïti et Télé National, je m'excuse, il est gratis sous boîte. C'est-à-dire toute boîte ça, tout opérateur dans le pays d'Haïti supposé avoir comme devoir de transporter des TNH. Mais même là-bas, il est gratis, il faut transporter bien, il faut transporter avec qualité. Nous parlons de la couverture nationale parce que avant tout, les gens qui sont MAC qui gagnent TV, par exemple, nous TV, c'est MAC, Télé Haïti au Cap, et nous TV au CAI. Sauf les gens qui sont au CAI à travers nous TV. Des chances pour gagner la télévision nationale d'Haïti. So, ça fait partie de la couverture nationale là tout. Mais ça, c'est la couverture nationale dans tout business. Parce que pour gagner nos TV, il faut payer. Pour gagner canal, ça, il faut payer. Nous-mêmes, nous avons une couverture nationale qui est gratis, chérie tout, qui c'est l'État haïtien. Mais nous-mêmes, nous avons des malades de qualité. Hein. C'est qualité à vivre. Depuis qualité à améliorer, nous avons une télévision nationale claire. D'accord. Et je me dis, peuple haïtien, qualité a changé, c'est job nous, c'est travail nous pour lutter, pour nous faire télévision pays, pour nous sur nous avec plus bon qu'être. Les amis téléspectateurs, nous prenons pause dans le journal, ça n'a pas déplacé, nous tournons dans un petit moment. Dans l'actualité sportive, la Coupe du Monde U20, tirage au soir fait matin, Haïti dans poule, Allemagne, Chine et Nigeria. À l'étranger, Europa League, Milan AC, Arsenal à San Siro, c'est match qui gagne jeudi à la 8e de finale à la compétition. Bureau Chambre députée a honoré plusieurs femmes avec sélection féminine U20 dans l'occasion de Journée internationale Femme. Chambre députée a promis 1,5 million de gouttes pour sélection avec un smartphone pour chaque joueuse. Dans l'idée pour renforcer la production d'Iri dans Valais la Tibonite, colonnaté Caravane Changement, ancien ministre Thomas Jacques, qui te gagne à Cli, directeur général ministère agriculture et ressources naturelles, Branly Eugène, lancé mardi 6 mars là, combi dans la localité Kova, deuxième section communale Verret. Programme ça rentré dans le cadre Caravane Changement. Non, page sport, Coupe du Monde U20, tirage au soir fait matin, Haïti, Nampoule, Allemagne, Chine et Nigeria. Voilà, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci à tout le monde qui t'a suivi, journal ça. Restez branchés, Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.